Bonjour à tous, bienvenue. Poursuite de Planet of Lana. Vous allez voir, c'est génial. On va s'éclater. On est dans une zone un peu stressante maintenant parce que l'espèce dominante ici, ce n'est pas nous, c'est le robot. Et à ce moment-là, je peux vous dire que vous allez stresser. C'est Skynet actuellement là où on se trouve. Donc, mettez-vous bien. Mettez votre combinaison de protection, débranchez tous vos appareils électroniques, sauf votre PC, votre Wi-Fi, votre téléphone et tout, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes. Parce que on ne sait jamais, à tout moment ils peuvent prendre le contrôle de vos appareils, mais vous pouvez vous détendre, ne vous inquiétez pas, on va mettre fin à leur prise de pouvoir. Il va falloir galoper là, il va falloir vraiment que je galope là. J'espère que j'aurai le temps. Vas-y maintenant, ce que je veux dire, mais mon personnage court à la vitesse de rien du tout. Il court à la vitesse de rien du tout, mon personnage. Comment faire? Est-ce que des fois je le stresse un petit coup avant? Apparemment qu'il faut que j'aille dans l'autre sens. Ah, peut-être plus comme ça, voilà, il fallait que j'attende dans ce sens-là. Eh oui! Je connais le jeu. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh! Un R2-D2 géant. Le problème de la sécurité, c'est que ça repart ou que ça se déplace sur la planète elle-même? Oh! Oh, il va falloir que je grimpe à bord. Dis-moi que c'est génial. Dis-moi que c'est ça, il faut que je grimpe à bord. Vite. Oui, trop bien. Où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Attends, on va peut-être rentrer dans l'œil. Et qu'est-ce qu'ils font de nous? J'aimerais bien savoir parce qu'ils nous exploitent. Mais est-ce que c'est pour construire plus de robots? Et je pense pas, je pense qu'ils sont totalement automatisés. Donc pourquoi nous collecter? Et on peut pas dire en plus qu'ils sont là pour nous aider, pour nous ramener sur notre planète, parce que dans tous les cas, et ils nous butent aussi. En tout cas, profitez, c'est beau. Je continue à dire que chaque écran peut être un fond d'écran. Nous sommes entrés. Nous sommes dans l'œil. Parfait. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être comprendre qu'est-ce qu'on fout là? Oh, regardez, maintenant on est encore dans un nouveau décor, mais c'est génial. Je vous rappelle qu'à la base on partait d'un petit peuple qui vivait avec des bouts de bois, qui pêchait avec des lances, avec des bouts en pierre. Et là on est dans un appareil totalement de l'espace, contrôlé par des robots entièrement automatisés. La technologie qui a pris le dessus. Voilà, j'avais bien compris. Hey. Alors le problème c'est que maintenant il est de l'autre côté. Comment on peut le faire retourner? Est-ce que... Hop. Il m'inquiète celui-ci, est-ce qu'il faut que je grimpe là? Attends. Putain, il me suit là? À tout moment, il fait demi-tour. À tout moment, il m'agresse. Vas-y, dépêche-toi. Je prends pas de risque, je vais attendre qu'il est beaucoup plus rapide que moi.
Le jeu veut te pousser à aller vite là, mais non, non. Faut garder son calme et dire qu'on est supérieur. Ah, ils ont tout capturé, regardez ça. Oh, c'est horrible parce que la petite bête. Oh, on sert d'énergie. On est un purée de carburant. C'est un pressoir. Même ces bestioles qui ont essayé de nous tuer. Oh non, 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 non. Trop petit. Il est trop petit. Bon, par contre, tous les autres, c'est fini. Mais même pour les petites bêtes, là, j'ai envie de les sauver toutes. Elles ont rien demandé à personne. Et on s'en sert comme énergie. N'est-ce pas la réalité de la vie quand on se sert de des animaux comme nourriture? Ça fait réfléchir. Hein. Mais en fait, voilà, maintenant on comprend un peu mieux ce qu'ils recherchent chez nous. C'est notre carburant. On commence à mieux comprendre ce qu'on est pour eux. On est un carburant. Je crois que j'ai mis trop de temps. Je vais tenter, mais je crois pas une seconde. Je pense que j'ai mis trop de temps. Hop. Hop. Allez, allez. On peut y croire. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Oh, j'y croyais moins d'un coup. Mais là, j'y crois. Ça va, le jeu est généreux. Mais on sert de carburant. Regardez, il nous liquéfie. Je l'ai dit, c'est Matrix. Où est-ce qu'il l'envoie? Mais il fallait sauter maintenant dessus. Si ça vous sert à rien, renvoyez-les vers sur leur planète. Ouf. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pense qu'il faut faire vite. Quelque chose me dit qu'il faut faire vite. Bah non. Est-ce que je peux péter la machine en mettant ça dedans? Ça fonctionne ou pas? Non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que je peux pas aller plus loin que ça. Donc pourquoi me donner ça si je peux rien en faire? Oh bah d'accord, oh la vache, la rapidité du truc. Pourquoi j'ai ça? Hop 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 hop. Est-ce que si je le mets là, ça me laisse le temps de courir et de galoper assez loin pour revenir? Ça m'a l'air d'être ça. Je me suis embêté pour rien. Je me suis juste embêté. Ah! Attends, là, je peux peut-être casser un truc. Hop, il y a l'air d'avoir un truc. On dirait un peu un four. Oh là, il y a un truc là, là. Regardez. Là, je peux emmener lui. Ah ah! Ah, comme ça va faire tomber lui là, d'accord. Est-ce que ça va pas plus vite si je pousse avec ça? Oh, c'est pas mal, mais c'est lent. Bon, lui, en tout cas, maintenant, il est sous mon contrôle. Ok, tout s'explique. Donc, je me sens embêté pour rien. C'est bien ça. C'était vraiment juste l'histoire de passer
fallait juste que je passe, mais il fallait vraiment que je l'emmène assez haut pour passer. Le contrôle, tout ça. J'aimerais bien mettre dedans et qu'on se voit bloquer tous les deux à l'intérieur. Par contre, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Est-ce qu'ils vont le faire cuire? Hop, une nouvelle caisse. Lui va sortir. J'arrive. Je suis en chemin. Maintenant toi. Hop. Tu descends. J'ai dit. Je vous jure que c'est pas facile. Ah, tu descends. Ah, c'est bon, il est en pleine forme. Mui est en pleine forme. Plus que notre sœur. Alors, c'est pas fini. On a encore plein de boulot tous les deux. Alors, tu vas là, s'il te plaît. On a un max de boulot ensemble. Oula. Pas de bêtises, hop. Faire tout le tour. Hop. On va essayer de pas te brûler alors qu'on va se retrouver. Je pensais pas que ça le toucherait si j'avais juste une petite antenne qui touche. Bien sûr que si. Ah, j'ai voulu faire d'une traite. C'est revenu. Hop. Allez. Faut vraiment compenser à chaque fois le gauche-droite. Faut pas aller trop vite. Hop. Là, il y en a deux en plus, apparemment. C'est bon. Là, il en reste un ici. Comment ça se fait? Bon, peut-être que je peux pas le couper, tout simplement. Hop. Le jeu qui me fait des frayeurs. Ah, voilà. Je suis arrivé trop vite. Je suis arrivé plein de balles en mode ouais. J'ai appuyé pourtant pour stopper le truc, hein, mais le temps que ça disparaisse, en fait, ça touche encore un petit peu. Ah, il y a un petit temps pendant que ça disparaît, et ce temps-là, bah, il est important. Hop. Là, je prends des risques, mais hop. Je sais pas pourquoi j'arrête celui-là aussi, mais je pense qu'il doit avoir une raison. Et juste celui-ci, c'est bizarre qu'il se coupe pas alors que pourtant il a l'air d'être relié à celui du haut. Ok. Voilà, là on est pas mal, là on est beau. Allez en avant. Tu peux venir? On continue ensemble maintenant. Et on arrête de se séparer. Et ben c'est rassurant de l'avoir à nouveau avec nous. Allez, plus qu'à trouver notre sœur. Ah attends, est-ce que lui peut passer par là? Et moi je peux pas. Je pense que j'aurais peut-être pu faire autrement. J'ai voulu être un peu trop classe. Et mais c'est d'un côté, c'est tellement stylé, regardez ça. Hop, voilà.
Peux-tu venir? Voilà, s'il te plaît. La gestuelle est vraiment cool. Oh, mais on est où là? Cette pureté, en même temps, c'est tellement angoissant. Je le dis à chaque fois, mais mettez des casques dans ce genre de jeu. Il crée des humains? Attends, ils sont là, ils sont nettoyés. Qu'est-ce que c'est que cette marmite? Je le dis de plus en plus, hein, c'est Matrix. Hein. Là, carrément, ils nous font grandir, ils nous élèvent pour mieux nous, nous consommer. Et très, très bons effets de transition comme ça, c'est très beau. Très cinématographique. Alors, j'aurais un peu peur pour l'état de notre sœur. À moins qu'il force les humains à se reproduire. Oh. Une prison dorée. Alors il y a à manger à base de plantes ou à d'algues. Ah, ça a l'air quand même d'être des prisons, hein, mais des prisons bien foutues, éclairées, tout ce que tu veux. Ouf, j'ai sauté tard. Oh, c'est beau et à la fois... Enfin, ça reste des prisons, quoi. Oh, on dirait bien qu'il les nourrit à base d'algues. C'est l'avenir, les algues. Je trouve qu'ils sont embêtés à faire un truc hyper blanc, pur, etc. Est-ce que c'est pour nous, pour qu'on fasse bien de la vitamine D et qu'on soit des bons produits? Les retrouvailles. Oh oh. Je sais où est-ce qu'on va tomber. On n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà, c'est tant mieux, parce que vu ce qu'il y avait devant nous, il valait mieux. J'ai sauté, j'aurais jamais dû. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé, hop, parfait. Hop, on tombe. Je me suis même pas accroché, perte de temps. Ouais, c'est classe, c'est classe, c'est classe. On saute pas, on sait se glisser. Allez, 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 run, run away, run away. Je sais pas s'il y avait quelque chose sur la gauche, ça me stresse maintenant. Mais je crois qu'il valait mieux pas s'y attarder. On dirait un virus, quoi, qui débarque et qui va tout prêt éliminer. Bon, on a retrouvé notre sœur, elle a envie. Très bon point déjà. Mais pour l'instant, on en est que là. On en est qu'ici. Et c'est pour ça que ce sera un tout petit épisode. Un minuscule épisodino. Une épisodinette, comme vous le voulez. Mais on s'arrête ici et on verra la suite au prochain épisode. Oui, je sais, c'est dur. Je sais, la hype, elle est là, elle est au maximum parce qu'on a retrouvé notre sœur. On y est, ça y est, c'est l'instant T. Je pense que le dénouement approche. Mais ça sera pour la prochaine fois parce que je pense qu'il va rester encore bien 20 minutes. Et vous le savez que je veux pas des épisodes trop longs. Donc, pour ne rien rater.
Vous savez comment ça se passe? Un petit clic sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la chaîne à un maximum de monde. Merci à vous. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Salut!